lâcher le live de ce soir de la crew farm. Donc si vous me voyez moucher, comment vous dire que c'est normal. C'est cadeau, voilà. Petite huître. Et si je tousse, c'est normal. Bonsoir tout le monde, salut Nux, salut Nourci Twitch. Merci pour le café du coup. Alors du coup la crew farm pour YouTube qui n'ont pas suivi le problème. La crew farm c'est une carte qu'on a lancée en production il y a quoi, il y a 3 mois maintenant. Ouais, 4 mois même. Ouais, 4 mois. Allez, à 4 petits mois. 4 petits mois qu'on a lancé, qu'on s'est décidé de faire, du coup, qu'on a décidé de reprendre une base de cartes qui était Gamesting sur le 17, si je me rappelle bien. Même le 19, 17, elle a été 17-19. Et du coup, on a repris cette carte-là, on est reparti sur cette base-là, et on a tout remodifié. On a rajouté une tonne de production, d'usine, de prod aussi. On a fait un petit gameplay exclusif autour de l'eau. Donc vous aurez des roseaux à récupérer pour vous faire du sel végétal, qui vous permettra, bien sûr, de pouvoir créer du chlore à la suite pour pouvoir faire un traitement d'eau, parce que l'eau potable sur la carte n'est pas disponible facilement. Voilà. On était sur plein d'essais, Twitch est déjà au courant, on était sur plein d'essais et tout, qu'on avait déjà fait tous les dimanches en live, voilà, c'était la crew farm pendant tout le mois de septembre, je crois qu'on avait fait ça. Tous les dimanches, au mois de septembre, on présentait la carte, les nouveautés, le curage des vaches, des veaux, des poulets et tout ça, les gros abattages, les... Enfin, il y avait, voilà, les moulins et tout. On va refaire le tour un peu ce soir, histoire que je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Vous aurez des vidéos d'idées dédiées, je vais y arriver. Vous aurez des vidéos dédiées qui vont bientôt arriver avec des tutos pour tout ce qui va être ferme, achat, vente et tout ça. Vous aurez aussi des petites vidéos de présentation pour la mettre en avant, voilà. Histoire qu'en communication, ça se passe bien. Merci pour ton 6e mois, Taz. Merci beaucoup. Dans 5 mois consécutifs, t'es un frérot, toi. Merci, Taz. Merci, merci. Et du coup, s'entraîner, parce que je sais pas combien de temps je vais durer. Non, on va se lancer. J'aime pas de maladie pour moi. Non, pas de maladie pour Pépon. Pépon, il va bien. Par rapport à la dernière fois, c'est moi qui va mieux. Là, c'est lui qui va mieux, m'a filé sa crève, c'est moi qui vais mal. Voilà, chacun son tour. C'est ça. Du coup, vous nous voici. Je vais faire un petit vol, hop, un petit survol vite fait, histoire de montrer à tout le monde. Hop. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, désolé, je sais que vous l'avez déjà vu. Voici la crew farm. Ne faites pas gaffe au décor, le décor n'est pas encore fait, c'est la dernière touche du pinceau qu'on aura à faire. Vous avez un gameplay exclusif au fond avec le sel végétaux. Voilà. Quand il pleut ici, ça se remplit d'eau. Quand c'est en hiver, c'est rempli d'eau. Voilà, les petits secteurs ici. Vous allez voir, c'est assez mignon. Au fond, là, vous avez l'usine de chaux, là où il y a mon curseur. À gauche, vous aurez une deuxième ferme céréalière. Ici, vous avez la ferme animalière. Hein ? Au fond, vous aurez un hippodrome. Et le compost qui est ici. La laiterie. La menuiserie. Pour fabriquer des planches. Il y a deux laiteries. La petite laiterie à fromage pour les chèvres avec le beurre. C'est vrai. Et l'autre qui fait du lait. C'est ça, c'est vrai. J'avais oublié. Bonsoir, bonsoir. Ici, l'usine de chlore. Les petits moulins où la déco n'est pas finie, mais voilà, je le découvre en même temps que vous. Désolé, hein, j'ai la crève. Ouais, fini hier. Les fameux moulins. Voilà, il y aura toute la petite déco à refaire. Qui va aller bien, voilà, petit détail, mais plein de petits moulins parce que l'usine de prod des moulins a un petit contenu exclusif. Ici, nous avons une nouvelle production qui est la soupe, voilà, la soupe de légumes. Je viendrai faire des soupes de légumes avec des carottes, des oignons, parce que oui, on a une carte multifruits. Les tomates. Les tomates, pardon, excuse-moi, tomates, j'avais oublié la tomate, j'en oublie pas la moitié. Carottes, tomates, oignons. Donc, vous et avez... De l'eau, bien sûr. Vous avez quelques spécificités, bien sûr. Nous aurons le seigle, le triticale, le sel végétal. Attendez, faut que je boive un coup. La luzerne fraîche, le foin de luzerne, le trèfle frais, le foin de trèfle. Qui aura un gameplay exclusif aussi, qui est pas pareil que la vallée des là. Carottes, oignons, compost, frites, soupe, lapin, viande de lapin. La maintenance, les pommes, je pense pas que c'est encore. La viande, côtelette de porc. Jambon et sel scié, chlore scié. Voilà. Alors faites pas gaffe à poire, prune, cerise, ça s'y est pas. Pomme, poire, prune, cerise, s'y est pas, ça n'y sera peut-être pas. Et les ruches, je sais pas s'il avait prévu faire quelque chose. Ici, vous les avez pas encore faites. Ouais, elles a pas encore faites. Ouais. Avec les bugs qu'on a eu avec le Namur. Ici, vous aurez une grosse forêt qui est en conception. Vous voyez, j'ai commencé à faire le début, mais vous voyez pas tout. Donc là, vous voyez le début des arbres en train de spawner. Du coup, ici, vous aurez une grosse zone forestière. Vous avez des champs qui sont quand même assez gros. Si je vous montre le PDA, voilà. Ah, bah non, je vais pas vous montrer, il y a une synchro. C'est Laurie, ça. C'est Laurie, parce que t'es ma meilleure amie.
Oui, physique, les meilleurs amis. Du coup, vous voyez, vous avez des petits champs, vous avez des moyens, vous aurez des grands champs. Et aujourd'hui, je vais rendre la main à Pépone. Parce que c'est Pépone qui va nous faire, qui va nous dire ce qu'il y a à faire, tout simplement. Alors déjà, faut qu'on reteste tout ce qui est curable des animaux, parce que ceux qui étaient la dernière fois, on a eu un problème avec Pumps, que j'ai dû corriger, en galérant, j'ai trouvé. Ouais. Par contre, ça sera en ferme idée 1. Donc c'est la première ferme pour tout ce qui est animaux. On peut pas faire autrement. D'accord, sinon, ok. On peut pas faire un curable. Après, ouais, ça marche pas, ouais. Ça, c'est depuis la dernière mage. Farming, on fait une mage. Et du coup, maintenant, le multi est beaucoup pété. Je sais pas si vous avez remarqué sur vos cartes. Mais si vous aviez une ferme qui était qui appartenait à une autre, vous avez différencié un peu les prods. Bah, ça a tout pété en fait. La dernière mage a pété pas mal de cartes d'ailleurs là-dessus. C'est pour ça qu'avant, on avait écrit un truc comparatif multi. C'était avec 4 fermes. J'étais obligé d'annuler. Sinon, ça marchait plus. Voilà, du coup on est revenu en basique, donc ça veut dire qu'on n'aura qu'une ferme qui achètera tous les terrains et les usines et qui vous permettra de tourner tout correctement. Parce que si vous essayez de faire deux fermes, ça va être un peu compliqué. Enfin, du moins que vous n'avez pas d'usine et pas de volaille. Faut essayer avec SRIR, mais normalement ça devrait peut-être marcher. Hé, Anto. Oui. Dans la SRIR. Achète les veaux et les vaches, on va lancer le curage. Ouais, faut que je trouve où c'est. Bah justement, c'est ici. Tiens, regarde, viens voir. Ici pour les vaches. Ici pour les veaux, excuse-moi. Pardon, vas-y, Pépone. L'usine de Lapa a été revisitée parce que John m'a refait une palette sur mesure. Donc maintenant, les lapins, faut les emmener à l'abattoir avec du sel pour faire de la viande de Lapa. C'est pas mal ça. Ah, il est là. Tu disais... Alors que... Achète, Bichon. Alors j'achète le terrain. Dans le terrain, il a acheté. Vas-y. Excuse-moi, Pépone. On n'arrête pas de le couper, le pauvre. Attends, bouge pas. Je viens avec toi. T'es où, Bichon? Bah, je suis devant toi. Non, pas toi. Toi, je m'en bats les couilles. Toi, t'es un esclave. Ah, okay. Toi, t'es juste, t'as juste le droit de te taire et laisser Pépone parler. Ok. Alors, je m'en vais, hein, si c'est que ça. Alors, du coup, maintenant, il n'y a pas. Par rapport à avant, il n'y a pas. Avec les carottes, tout ça, ça faisait de la viande de lapin direct. Là, j'ai rescripté les lapins. Ouais. Ils font toujours de la carotte, de l'eau. Des salades. Pourquoi? Parce que j'ai tellement travaillé sur des scripts en ce moment que. Ah non, on l'a pas. Donc faut qu'on l'achète. Je suis malade. Bon, du coup, pour lancer l'histoire, nous avons un convoyeur qui a été rescripté, enfin remodélisé en 3D par Demencia. Nous l'a refait entièrement. Du coup, il est beaucoup plus joli, avec des couleurs et tout ça. Avec un vérin qui ressemble à un vérin et pas une buse en béton un peu bizarre. Du coup, ça a été refait entièrement. Là, on va relancer le test. Du coup, il faut acheter les vaches. Je sais pas s'il a acheté le bonhomme. Non, il a pas acheté. Rien fait. Il est bon à rien. On va mettre un taureau. Hein. Ah, mais c'est parce que j'ai pas les droits que ça marche pas. Ah bah ouais. Bah ouais. Voilà. Je comprends bien. J'ai 149 vaches. Donc ça sera toujours la ferme à vaches. On est d'accord. Vache laitière. Vache laitière. Et si vous avez envie de faire de la vache à abattoir, vous pourrez le faire aussi. Et ici, ça sera les veaux. Surtout, respectez ça parce qu'on peut pas le scripter autrement. Donc, essayez de le respecter correctement. On va mettre 15 veaux de chaque. Voilà. Les ouvriers, vous me nourrissez ces vaches. N'oubliez pas ici une petite spécificité, c'est qu'il vous faut absolument de la luzerne pour les vaches et absolument du lait pour les veaux. Sinon, ça nourrit pas et ça fonctionne pas. N'oubliez pas. Salut, salut ma terre. Salut. Du coup, les vaches sont là, les vovos sont ici, les gars vont commencer à donner à manger. Oubliez pas que la flotte est en haut, obligatoire. La flotte pour les vaches, elle est au-dessus, là où je me trouve, les gars, la citerne d'eau, là. Il faut la remplir, sinon ça ne produira pas. Ok, chef. Vous êtes OP là-dessus? Chris, c'est la première fois qu'il vient dessus, donc il la connaît pas. Oui, Chris, il la connaît pas, ouais. Je connais que moi je suis, j'écoute, c'est tout, je visite. Et toi, dis pas que Bapper, c'est un mauvais scripteur. Parce que je vais te chercher. Waouh, il y a une montagne. Du coup, je te connais, toi. Bah voilà, ça y est. Petite nouveauté. De quoi tu parles? Attendez, je baisse un peu le son parce que j'entends les gars, ils sont un peu forts. Ils me cassent la tête, j'ai déjà mal au crâne. Hop là. Voilà. Du coup, ici, vous aviez la grosse bétaillère, la bétaillère à poules. Ici. Vous pourrez mettre, je sais plus combien il a limité, à 5000, putain. Bonsoir. Bonsoir, merci pour le 7e mois, bonsoir.
Vous pourrez limiter à 5000 poules. Voilà. Donc vous pourrez mettre 5000 poules là-dedans. Donc comment vous dire que vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire. Donc quand on a acheté 1000, les gars vont donner à manger. Alors oui, vous avez poussin, coq, enfin poussin, caneton, canard. Ok, on le sait, mais on peut pas vous le séparer. Ça, c'est pour le petit poulailler que je vais retourner juste après. Mais ici, c'est curable. Voilà, vous pourrez monter. Il a fait la petite animation, il a appuyé sur le bouton. Vous pourrez monter au moment de curer, bien sûr, ici. De toute façon, vous allez le voir en gameplay, je vais vous montrer. Ça va être sympatoche. Donc là, les gars, vous avez les poules là où on est qui fera aussi donner à manger. Utilisez les idées, vous avez l'autorisation aujourd'hui. Vous pouvez le faire. Totalement. Là, vous pourrez le faire. Vous avez le tout petit poulailler qui sera dédié aux canards et tout ça ici. Vous savez, un peu comme Oeuf Bargman. Hop, attendez, je vais passer la barrière. Ici, vous achèterez vos petits poussins. Alors, peut-être pas 100, parce que 100, ça fait beaucoup. Achetez 10 petits poussins. Quand ils arriveront à maturation, les poussins deviendront des canetons. Voilà. Des poussins qui deviennent des canetons. Des canetons et après des. Des poussins. Non, qui... des poules. Oh, Des poussins qui viennent des poules. Les canetons qui viennent des canards, pardon. Voilà. Et la fièvre, hein, c'est la fièvre, on dira rien. C'est la fièvre. Oui, oui, oui. La fièvre à bon dos, moi je dis. C'est bon, ta gueule. Du coup, ici, ça sera spécialisé pour les canetons et les canards. Alors faites pas comme moi, tu vois, j'ai acheté des poussins par inadvertance parce que j'étais à fond. Après, tu peux acheter les deux. Hein. Et mais vous pouvez tout acheter. Les deux. Hein. En vrai, ils mettaient deux ensemble. J'ai déjà vu. Il y a un bug, tu en achètes un cas et t'en as que 232. Comment ça? J'ai acheté un cas, il y en a que 232. On peut voir. J'y retourne, on va aller voir ça. Je pense pas. Hein. Et pareil, tu peux leur donner à boire et à manger ici. On va regarder. C'est juste à bouffer. Ah ouais? Eh hey, chef! Un bug! Un bug de quoi? Regarde, viens au pool. J'ai voulu en acheter un cas. Et quand j'en achète un cas, c'est maximum 232. Il veut pas prendre plus qu'un cas. Essaye d'en acheter un cas, tu vas voir. Bah, c'est pour ça qu'on fait des essais, hein. C'est pour voir où sont les bugs et pour corriger. Alors, par chance, vous aurez les 1K. Par malchance, bah, vous aurez que 232 à acheter 5000 poules. Voilà, vous attendrez que elles se reproduisent, quoi. Mais GG, Georges, d'avoir regardé. Bien vu. Bien vu pour toi. Ouais, faut que je regarde à ça. Oui, il doit avoir. Bien vu. du coup, Tolak, j'arrive ici. Ici, nous sommes. Ah, je pourrais pas passer. Hop. Là, je voulais vous remontrer, bien sûr, pour ceux qui l'ont pas vu, la luzerne. Voilà, la luzerne qui nous fait pas perdre d'FPS. Voilà. Non. Rééquilibré. C'est celui-là. Voilà. La luzerne rééquilibrée qui nous fait pas perdre d'FPS parce qu'on avait des gros problèmes avec ça au démarrage. Le seul petit hic, c'est qu'ici, je pense qu'on va vous changer la déco et on va pas vous mettre de l'herbe coupable. On mettra de l'herbe qui est non coupable. Histoire tondue. De dire ou de l'herbe tondue, ouais, je sais pas. Enfin bref, on va changer la déco, histoire que vous mélangez pas l'herbe et le trèfle et la luzerne. Parce qu'en fait, ouais. Si vous mélangez la trèfle et la luzerne, ça reset à chaque fois vos autochargeuses ou l'endaineur ou enfin tout ce que vous allez toucher, les ballots ou quoi que ce soit. Donc on va faire en sorte que ça soit fonctionnel. Donc il va falloir bien garder ces deux champs-là en spécificité trèfle et luzerne. Si vous avez besoin de plus, parce que vous avez pas assez, vous produirez pas assez. N'hésitez pas à aller tout simplement faire un détourage proprement. Laissez-vous un peu de painting ou un peu de truc autour du trèfle et de la luzerne pour éviter de vous le mélanger avec de l'herbe. Parce que c'est le même gameplay que l'herbe en fait, si vous voulez. Ici, on peut pas faire le trèfle ni la luzerne en grain. Enfin, je pense pas qu'il l'ait mis en grain, la luzerne. Tu l'as pas mis en... Non, c'est que du fauchage, panache, des frais. Voilà. T'as du frais ou en foin, comme une herbe normale. Donc le trèfle et la luzerne, si on enlève l'esthétique, ça marchera exactement pareil que le trèfle, que le foin et l'herbe. Ça sera exactement la même chose. Et si vous l'ensuivez, ça fait comme de l'ancien gerbe. Le script est le même. Lâchez de baraka frites. Voilà, baraka frites, ne faites pas gaffe au décor, le décor n'est pas encore là, ok. Donc commencez pas à critiquer les gars, le décor n'est pas fini. On est juste là en script et posage d'usine et que tout soit fonctionnel. Quand tout ça fonctionnel, on s'amusera à faire le décor et après il y aura toute la programmation IA à mettre autour pour les déplacements sur la carte, les champs et tout ça. Donc la petite baraque à la frite qu'il vous faudra, je vais l'acheter parce que de toute façon il faudra la tester. De l'eau, de l'huile et puis des pommes de terre. Des pommes de terre,
de l'huile et de l'eau. Voilà. Et de l'eau propre qui vous rendra de l'eau usée. Voilà. De l'eau usée que vous pourrez distribuer directement. C'est plus d'eau usée. Regarde le terme maintenant. Bah, c'est marqué eau usée la friterie. Ouais, j'ai mis usée pour. Moi, chef, je lis ce qui est marqué, moi, chef. Ouais, mais avant, c'était pas. C'était d'eau. Je sais plus comment. Et j'ai marqué d'eau usée pour que ça GG soit... les gars pour la map. Merci Drop. Merci, merci. Enfin, faut dire à Pépon, c'est Pépon qui a 90% du boulot. Hein. Moi j'ai pas de mérite moi sur la carte. J'ai vraiment pas de mérite à part avoir painting l'herbe partout et faire un peu de décor à droite à gauche. Et ici... ça, moi, je modifie parce que je crois que j'avais mis trop de traité, mais. Par contre les volumes de son, j'ai l'impression qu'ils sont forts. Les abattoirs, il y a tes cantons, il y a tes canards, t'as une alimentation spéciale ou pas? Genre ça va. Non, c'est. Non, il n'y a pas d'alimentation. Non, c'est la mission standard. Blé, sorgho et tout. Ouais, c'est standard. On est plus de standard, ouais. Ok. Du coup, ici, vous récupérerez tout simplement, c'est l'abattoir. Voilà, donc vous ramènerez. Ouais. Vous ramènerez vos cochons, vos moutons et vos lapins. Qui vous termineront. Il y en a qui terminent directement en jambon. Viande de lapin. Beef fleet, je sais pas ce que c'est. Beef trip, ah c'est des tripes de bœuf, ok. Ouais. Pork shop, c'est des porcs, voilà, tout simplement. Et tous les traduits, mais pas dans les menus. Mate, c'est de la viande, voilà. Ok, d'accord, ok. Et dans les menus, mais pas dans le menu. Pas traduit, ok. Usine de production de lapin qu'on vous montrera juste après. Il va falloir de l'orge, du foin, de l'eau. De la paille, de la carotte et de la salade. La salade que vous aurez à partir des serres que je vais vous montrer vite fait là. Il faudra faire quelque chose quand même pour les sons de production. Je les trouve archi forts les machins. Je sais pas si on peut descendre le volume. Putain, je les trouve archi forts les sons de production. C'est mon jeu qui est peut-être un peu fort. Moi ça va, mais après, est-ce que je sais que j'entends un traiteur. Ouais, essaye peut-être que. Je sais pas, je les trouve un peu forts. Bah, les gars me le diront après. Peut-être que c'est juste le jeu qui est fort. Frites et pas chips, hein. Non, frites et pas de chips, pas de chips, vraiment frites. Du coup, les serres, il vous faudra de l'eau, des semences et du fumier, voilà. Fumier ou compost? Compost, pardon, excuse-moi, compost, c'est vrai que c'est bien. Le logo du compost. Donc, ouais. Eau, semences, compost. Ah, c'est pas facile de stream avec 40 degrés. Compliqué avec de la fièvre. du coup, en plus, ça va être bien parce que nous, on peut l'acheter directement là, hop. L'acheter directement aussi. Hop, je vais faire tourner une serre vite fait. Voilà. Compost. Alors, pour vous retenir au courant, pour ceux qui étaient déjà là, pour ceux qui n'étaient pas là, on a une petite machine qui arrive qui transformera le fumier en compost, ce qu'on appelle un aérateur d'andin. Vous savez, le petit vlog que j'avais fait sur la Ménard SP50. Si vous avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir le vlog. On est en train de reproduire cette machine-là pour farming. Donc, on a des petits problèmes avec le DLC précision. Voilà, ça marche pas avec l'ouvrier. Et c'est fonctionnel dans le reste. Donc du coup vous pourrez poser votre fumier au sol. Voilà tout simplement. Et passer l'aérateur d'andin qui le transformera en compost. Et derrière vous pourrez reprendre ce compost et le balancer dans vos champs. Ce qui vous donnera la double fertilisation. Un peu comme le lisier et le fumier. Voilà. De toute façon c'est... Vous voyez, c'est encore des pump qui a fait. Ouais, c'est le pump qui a foutu la merde. Ouais. C'est pareil, il y en a plein qui me demandaient, est-ce qu'on a augmenté le rendement de récolte des olives et du raisin? On est en... Normalement, on est en x2. On est en cours de test dessus, mais normalement, on est en x2. Donc, ce qui veut dire que normalement, on est bien. Si t'as 42 fièvres, va te reposer, patron. Bah non, elle peut pas laisser cette exclusivité passer sous mon nez. C'est hors de question. Celle-là, je la voulais depuis le temps que je voulais savoir des nouvelles de la carte. Ça faisait un petit mois là que j'avais pas de nouvelles. Dessus. Elle se met où ta paille au canton là? Tu te mets. Dans le bâtiment au milieu. Dans le petit bâtiment carré. Dans le petit bâtiment carré. C'est en botte qu'il faut. Ouais, en petit ballot. Petite botte. Tu regardes dans le regard juste à côté. Normalement, t'en as là des petits ballots. Donc voilà, vous avez un secteur dédié, normalement raisin et bien sûr olive. Vous avez l'usine qui est pas loin, normalement. Ah, c'est où? T'es où côté. Ah oui, t'es là. Ah oui, on l'a mis derrière. Ah oui, attends, bouge pas, toi, tu cours vite. Tu cours trop vite, chef. Bouge pas, je suis pas là, moi. Moi aussi, je veux courir vite. J'arrive. Hop là. Du coup, l'usine de raisin qui se retrouve. Donc, vous allez faire un peu de chemin. Donc là, vous aurez une forêt. L'usine de raisin qui se retrouve ici. Voilà, tout simplement. On n'a rien changé. Hein. Après, le gameplay raisin et olive, ça reste le même que d'habitude.
ça c'est le truc de base. C'est, l'usine de base. C'est le truc de si base. Vous avez des erreurs. C'est pas nous, c'est Giant, tu te démerdes. C'est l'usine de base. Tu te démerdes, c'est pas nous. On a déjà assez de conneries de corriger. La fumière qui est ici, qui vous servira quand vous curerez votre, vos poules. On va, on va les alimenter. De toute façon, les poules, je pense que je peux le faire de l'Easy Dev. Je sais pas. Fais voir. Ouais, tu peux le faire au fond. Là. Tant que je suis dedans. Tu spawns, là. Ah non, je pourrais pas. De toute façon, on reviendra dessus. De toute façon, il va falloir tester le curage. Il va falloir tester la lame aussi. Ici, ça sera bien sûr pour vous remettre le grain. Voilà, vous remettrez du grain ici. Ça vous nourrira les poules. Voilà. Ce qui est pas dégueulasse. La dernière zone que j'ai à vous montrer. Enfin, la dernière, c'est un grand mot. Mais la zone. Nouvelle pour ceux qui connaissaient la carte déjà, on va dire que c'est les moulins, c'est toute la production de moulins. Donc ici le décor n'est pas fait, donc commencez pas à critiquer les gars, le décor n'est pas fait du tout. Donc, ici vous avez t'es fait à l'arrache juste pour la présentation. C'est ça. Ici nous avons une armada de moulins. Pourquoi? Bah parce que tout simplement que le moulin il fait une armada de produits. Voilà, donc pour vous montrer un peu, il va vous faire tout simplement la farine. Blé, orge, avoine, sorgho. Il va vous faire aussi le moulin à huile. Voilà, on a rassemblé en fait toutes les prods dans le même endroit. Le moulin à huile, huile de tournesol, huile de colza, huile d'olive. Et il va vous faire aussi la nourriture pour cochons à partir de maïs, sorgho et pommes de terre. Voilà. Et plein d'autres choses. Parce que vous voyez, il faudra plein de composants. Donc ça, ça sera à tester aussi. Mais sauf qu'on vous a fait une petite armée, voilà, en déco. Il y aura une chaîne de production, vous viendrez vider en fait ici. Voilà, tout simplement. On va vider ici, récupérer ici, et tout le reste c'est que de la déco. Voilà. Et c'est pour montrer. Non, Shido. Non. T'avais pas être qui spawn. T'avais pas être qui spawn ici. Ouais. T'avais pas être qui spawn là aussi. Ouais. Et au troisième moulin là. Et au troisième moulin. Moulin. T'avais pas être qui spawn aux trois endroits là. Ils sont pas en collision les moulins. Normalement si. Attends. Ouais, on a Easy Dev. Ouais, ouais, c'est pour ça que je cache tout. Easy Dev. Ah non, je passe à travers. Non, quand tu marches normalement, regarde. Non, non, mais il y en a un, il y a les autres, je passe pas, celui-là je passe. Ah bah faut que je regarde. Celui-là je passe à travers. Et je passe pas partout, tu vois, je passe vraiment au niveau du moulin. Non, faut que je regarde parce que. Ah, un petit bug. C'est pareil, ouais. Là, j'ai désactivé tout. J'ai désactivé les idées. Non, mais ils sont tous pareils. Bah non, c'est que au moulin. Faut que je remette une collision au moulin. Ouais, une petite collision au moulin. Donc du coup c'est pour ça qu'on vous a mis on vous a mis plein de moulins, voilà, plein de petits moulins à droite à gauche, donc il y aura encore la déco à faire là-dessus. Mais plein de petits moulins à droite à gauche parce que ici c'est une grosse production. Voilà. Donc ça sera sympathique. Il va falloir qu'on fasse le design. Voilà. Du coup on va revenir, je pense que nos vaches, les gars, ils ont commencé à avancer. On va retourner là-haut. Ah si j'y arrive. Hop, montez. Hop là. Ici nous avons un. Ah non, c'est pas. Si, c'est le tien, ça. De quoi? C'est ton pont à toi, non? T'es où? Ah, t'es à. Oui, c'est mon pont à moi. Ça, c'est ton pont. Hein. Ah, c'est pour la blague, hein, je vais vous le montrer, mais c'est. Tu peux réparer ici comme un. Si t'as eu un cadavre. Tu peux pas repeindre. Tu peux juste réparer. Ici, vous aurez une zone de réparation. Voilà. Vous pourrez réparer votre véhicule automatiquement. Vous les reconfigurer comme vous voulez, voilà. Et si je me rappelle bien, il y a un petit tips en plus, non? Tu nous lèves la voiture? Ouais, vas-y, vas-y. Ah là. Ouais, je suis pas tout à fait centré, mais je pense que. On ah ouais, non, je suis pas centré du tout. Non, non, non. Ça va faire des conneries, chef. Chef, le pont, la voiture, toute neuve. Putain, je vois une voiture se lever de pied au loin là. Non, c'est rien, c'est moi qui fais des conneries. Je sais pas trop. Alors, j'irai pas faire de la mécanique chez lui. Je monte avec l'aile. Déjà, collé pas malade de nature, c'est compliqué. Ah ouais, bah alors, malade en plus, c'est compliqué aussi. Ici, vous aurez un silo à grains. Voilà, vous pourrez stocker quasiment tout. Ça, c'est pareil, il faut qu'on finisse de le tester. Qu'on peut être tout. De toute façon, alors, pour vous donner un peu le planning. Semaine prochaine, je vais être sur Call of Duty à partir de vendredi. Voilà, Call of Duty Modern Warfare 2. On va être là-dessus tout le week-end. Donc, on va être vendredi, je serai en solo. Ouais, c'est bien pété. Ouais, là, c'est bien pété. Ouais. Vendredi, je serai en solo sur la campagne. Samedi, je serai avec VG. Et dimanche, je pense que je serai sur la fin de la campagne, du moins, je l'espère. Après Call of Duty, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va commencer à faire une carrière sur la Crew Farm. En mode, on n'aura pas la déco.
Donc les arbres vont disparaître, tout ça, ça va disparaître parce que les mains, la déco va être dans les mains de L2C Modding. Donc du coup, on aura tous les arbres qui vont disparaître, sauf les forêts. Et du coup, on va commencer à faire une carrière dessus, en mode partir de zéro. On va attaquer par les animaux, on verra ce qui est le plus rentable au démarrage avec le peu de sous qu'on a. En équipement, on va essayer de remettre l'équipement pour correctement parce qu'il y a 2-3 trucs qui devraient être changés. Parce que tout ce que vous voyez, c'est l'équipement qui était de base. Vous avez le NH, vous avez le scorpion qui va rester, vous avez la déportée qui va rester, tout le matériel là va rester. Je pense que c'est le Landini qui va pas rester. Le Landini, celui-là. Ah ouais, c'est bien, voilà. Ici, Pépon, ou faut que j'aille looter. Celui-là va pas rester, c'est sûr. Pour. Et le Nitrac. La paille pour le vache. Ouais, ah, toujours la crève, Bob. Pour soigner, c'est ici. Et pour pailler, c'est l'autre côté. C'est là où je suis. Là. Le MF, il va rester. L'autre, il va m'écraser. Le Lintrack va disparaître. Ouais. Voilà. Il y a un Fendt aussi, un 724 que j'ai embarqué. Oui, t'as le Fendt 724 aussi qui est encore fonctionnel. D'ailleurs, je vais aller chercher le. C'était où pour la paille, Pépin? Je vais aller pour chercher. Pour pailler, tu verses dedans, dans le bâtiment là. Je vais aller chercher notre fameux. Scorpion avec sa fourche spéciale. Pourquoi une fourche spéciale? Parce qu'on vous a créé un outil. Voilà, un outil spécial aussi. Pour les fermes, que je vais vous montrer. Tout ça, ce sera de base carte. Hormis les zones plaçables et tout, mais je vous réexpliquerai quand le mode sera sorti. Les poteaux, Fabrice, enfin l'arme. Hop. Mais les modes, vous n'aurez pas besoin de l'RDL, ils seront dans la carte inclus. Donc la fourche à palette, vous l'aurez dans le. Qui est tout à fait fonctionnel hein, pour des palettes ou quoi que ce soit. Mais vous l'aurez dans la carte inclus. Ouais. Mais elle a une fonctionnalité en plus, en fait, celle-là, c'est tout simplement pour le rabot. C'est pour ça qu'un ticket rouge avant, c'est un repère. C'est un repère, ouais. Attends, parce que là, voilà. C'est juste du visuel, en fait. C'est pour avoir un repère pour qu'on sache que ça sert au rabot, quoi. Tout à fait ça. Je vais essayer de me mettre dedans. 3 points, si. Vous pouvez l'accrocher à votre tracteur, il n'y a pas de soucis. Donc, si vous voulez le prendre avec le télesco, vous pouvez tout à fait le prendre avec le télesco. Je suis un peu haut. Se mettre un peu bas. Alors, on l'a voulu faire tellement RP que le truc il est un peu difficile. Voilà. Avec les petites chaînes de sécurité. Du coup là vous voyez les chaînes, vous voyez le rabot est accroché, il partira pas. Vous pouvez reculer, vous pouvez avancer. Du coup ce qui vous permettra tout simplement de voilà de faire votre raclage comme un godet. Sauf que au lieu d'avoir une capacité de stockage, vous allez pousser. 10 secondes, faut que je boive un coup les gars. Je suis en train de crever. Sur la courbe, Pépon. Est-ce qu'il marche aussi pour l'ensilage? On n'a pas testé, mais on le testera. Ouais. Pas testé, mais normalement il doit marcher. Mais parce que éventuellement, est-ce que tu pourrais pas séparer un pour l'ensilage et un pour le. Non. C'est pourquoi? Non, mais tu vas me le dire. Faut que je rajoute des lignes de partout. Ça va être encore plus lourd, ouais, maintenant. Ah. Ah, bon, je suis en train de crever. Pardon. On essaie de l'alléger pour toutes les configs bien façonnées. Bon, après, j'ai pas une grosse config, j'arrive à. Donc, du coup, vous pourrez venir là, voilà, gentiment. Et venir racler. Ouais. Faut que j'arrête de parler comme un fou, parce que du coup, c'est ça qui m'arrache la gorge. Hop là. Vous allez bien venir là avec le télescope, voilà. Ou avec autre chose, hein. Vous êtes pas obligé de prendre le télescope parce qu'il y a un 3 points aussi à l'avant. Là, c'est qu'on a voulu le faire fonctionnel avec un peu tout, parce que moi, à la ferme du beau-père, il le fait au télescope, avec un rabot comme ça. Donc, du coup, voilà. Donc, les modes seront inclus dans la carte. Et les modes, les 3D, tout ça, sont entièrement ont été entièrement faites par Demencia. Ouais. Voilà, c'est lui qui s'est fait chier à tout faire. Donc, on lui dira gros GG. La fourche, c'est celle du data que j'ai remodifié des chaînes que j'ai trouvées. Sur un de mes bots du FS19. Par contre, le rabot, c'est Demencia complètement. Le rabot, c'est Demencia qui nous l'a fait. Voilà, impeccable. J'ai juste rajouté les boules du data. C'est tout ce que j'ai. Et la fourche est du data, c'est la même fourche que vous avez d'origine du jeu. Ouais, qui a été modifiée. Ça ressemble à Gamesting. Bah ouais, c'est normal, c'est la map de base. On a pris la map de Gamesting et on s'en cache pas. On l'a pris et on l'a tout trop modifié de A à Z. Faudrait que je vous fasse un avant et un après. Vous verrez que la différence est énorme. Et ceux qui disent qu'on n'a pas contacté, on a contacté des deux côtés et jamais. Ouais, on n'a pas arrêté. J'ai même envoyé carrément. Envoyé carrément une lettre officielle. Donc, qu'est-ce que tu te dises? On n'a pas de retour. Le gars est plus actif depuis 2018 et il surveille ses réseaux parce qu'il voit qu'il nous lit, mais il nous répond pas.
Donc du coup, on l'a averti de tout le projet. On lui a dit s'il avait une réclamation, qu'il n'hésite pas à me contacter. Et même encore, s'il a besoin, s'il y a, voilà, on peut en parler. Mais pour l'instant, on n'a pas de retour. Donc on a continué notre projet là-dessus. Et on a quasiment, franchement, la carte de Gamesting. À part le vallonnage. Et encore, certains endroits ne ressemblent plus à Gamesting. Mais à part certains tips qui appartiennent à Gamesting, on va dire que 80% de la carte a bien été changée. Parce qu'il y a encore plein de trucs que je vous ai pas montré. On a... Les deux BGA ont été supprimés et dépassés. Plus qu'un BGA maintenant. Ici avant c'était un BGA qu'on a fait un hippodrome. Voilà, on a fait carrément un hippodrome où vous aurez vos chevaux ici. Avec des petites écuries spécialement dédiées pour des chevaux qui seraient un peu vénères. Voilà, vous pourrez mettre des chevaux ici, sans problème. D'ailleurs il faut que je fasse un petit truc, je vais vous montrer en l'achetant. Il y a les poulains aussi. On peut mettre les poulains dans la petite... Ouais, vous pourrez mettre les poulains aussi ici. Regardez si je vous montre. Ah, je suis vraiment malade, moi. Putain, ça peut pas. Hein. Ils sont où les. Ah, les paillages. Il est où, Trigger? Les caleçons pour dormir la nuit. Ah, ouais, faut que je garde les caleçons. Ouais, mais on a pas acheté le terrain, c'est tout. Si, j'ai acheté le terrain là. Voilà, bon, ah, si, j'ai acheté le terrain. Fermez les portes. Bah, bref. Au moment donné, ça sera fonctionnel ici. Vous aurez un menu en fait où vous pourrez acheter les poulains, les chevaux, un peu comme celui-là qui est normalement ici. Voilà. Vous pourrez acheter tout ça, voilà. Là, c'est sur la droite, les gars, c'est là. Là où je suis, tu l'as. C'est vrai que j'ai déplacé pour... Il faudra remettre les logos, hein. Ça manque les logos. Moi, je le vois pas. Ah si, ça y est, je l'ai vu. Ah si, 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 ouais, d'accord, ok. Ouais, il est un peu petit, mais il faudra le modifier. Voilà, poulain, jument. Je vais y arriver. Poulain, jument, les palominos, tout ça, enfin les chevaux de base. Vous allez voir, du coup, ça va être impeccable. GG à toi, Baptiste, pour ton premier câlin avec ta meuf. C'est cool. Je suis en train de crever. Ici, vous aurez un tourniquet fonctionnel. Vous pourrez entraîner vos chevaux. Si vous faites deux tours d'hippodrome, ici, vous aurez entraîné vos chevaux à 100%. Il y a encore beaucoup de déco à faire, hein, je vous cache pas. On a encore beaucoup, énormément de déco à faire. Ça va être le dernier rush du dernier mois. Voilà. Ça va être ça, c'est sûr et certain. Ici, vous aurez la production de sel. Je pense à... Du moins j'y ai. Dans l'atelier, t'en as un là. Mais bon, c'est pas en bois. Ici, ça sera la production de sel qui vous permettra tout simplement. Comment on fait du sel? Bah tiens, Anto, il était parti en fer. Quel... T'as acheté le terrain mis, et tout? J'ai mis deux bottes dedans. Ouais, t'as mis deux bottes dedans. De démarrer, ouais. C'est tout. Donc ici, on a des roseaux. Voilà. Ouais. On va redonner le nom. Le nom s'appelle sel végétal, mais on va redonner le nom technique. Qu'avait dit Kali. Kali est pas là. Ouais, Kali a pas dit, mais. C'est le nom technique d'origine. Ouais. On va l'appeler roseau. Et du coup, voilà, vous ramasserez ça avec une cotonnière. Alors, on est en développement pour vous faire une moissonneuse dédiée à ça. Voilà, c'est en cours de développement, c'est pas encore fait. C'est les derniers petits tips, mais on aura peut-être une récolteuse spéciale pour le sel végétal. Voilà. Pour l'instant, c'est prévu comme ça. On est en train de travailler sur la moissonneuse. On est en train de faire une moissonneuse dédiée. Donc que vous aurez inclus dans la carte. Vous l'aurez pas dans le mode à part. Vous aurez vraiment inclus dans la carte. Du coup ça vous empêchera de trouver. Enfin ça vous empêchera de trouver un autre mode, non. Enfin si, parce que de toute façon elle sera pas scriptée sur une autre carte. Je pense pas qu'il y ait un mec qui s'amuse à faire ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait la moissonneuse ça va être terrible de l'avoir une spéciale et pas d'avoir une cotonneuse. Ce qui me dérangeait c'est de prendre une cotonneuse pour faire du sel végétal. Voilà. Parce que ça s'appelle des roseaux à la base. On appelle ça des sels végétales, mais les sels végétales à l'époque ça se faisait en roseau. Voilà, avant qu'on prenne le sel marin et que ça devienne industrialisé, c'était beaucoup en sels végétaux en fait. Donc là, la cotonneuse elle me chagrinait, tu vois. Donc du coup, on a repris une moissonneuse du 17, si je me rappelle bien. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. On a pris une du 17 qu'on va remodifier niveau 3D, niveau script, pour pouvoir vous sortir des balles. Alors peut-être pas forcément des balles carrées ou balles rondes, je sais pas encore à quoi ça va ressembler parce que c'est en cours d'écriture. Et qui fera, ça sera une spéciale culture pour ça là, tu vois. Tu feras pas autre chose avec, tu feras vraiment que le sel végétal. Ce qui vous sortira, je vais essayer de vous sortir une balle. Il y a un paquet de magasins. Sortir une balle, histoire de vous montrer. Le magasin est au centre, à côté du 19. Il y en a deux des magasins. Non, un cas. Voilà. Il y a un magasin du village et pont élévateur. Ah oui, mais pour l'élévateur, c'est pour réparer. Mais tu vois. De toute façon, t'en as qu'un.
Normalement, pour l'élévateur, c'est le magasin tout court, mais à côté du 28, il y a un magasin du village Bonsoir. avec le même logo. Avec le même logo, c'est bizarre. Donc pour finir ma petite histoire, ça vous donnera des balles de sel végétal que vous Ouais, mettrez. mais j'ai pris ce go-là. Attends, je te coupe. C'est Vas-y, parce que c'est un magasin où tu vends, t'achètes de tout en fait, tu vends de tout. Comme après un vas-y. Ouais, mais magasin dans le monde. on pourrait peut-être changer le logo parce que pour moi, c'est le magasin matériel, tu vois. Ah, c'est possible. Regarde, C'est possible, c'est après. possible. On regardera ça. À mon avis, il faudrait lui mettre un logo comme tous les points de vente en fait. Alors attendez, laissez-moi Savoir. finir d'expliquer, sinon les gens vont être perdus. Du coup, vous avez récolté votre balle de sel. Vous la ramènerez dans cette usine-là, qui est tout simplement la transformation du sel en vrai sel. Voilà. De roseau en sel. Par contre, il y aura un petit tip, c'est qu'il vous faut de l'énergie électrique. L'énergie électrique, comment vous l'avez? C'est là où tout va rentrer dans votre tête. Ça va être le plus dur. C'est là où il va falloir des tutos. Vous allez aller à l'atelier. L'atelier, voyez. Alors, c'est pas fini de modifier l'atelier. Tiens, je suis en train de penser. Et il De prend quoi? encore le pain, le fromage et les palettes à la con. Ah oui, j'ai pas fait ça. Vous achèterez l'atelier qui vous coûtera pas très cher. C'est l'atelier vraiment pas cher ici. Il coûtera 1500. Qui vous permettra tout simplement avec du gasoil, du diesel. Vous savez ce qui est un peu en pénurie en ce moment. De fabriquer de la maintenance avec de l'énergie. Mais tu vas me dire, Schizo, il n'y a toujours pas d'énergie. Oui, parce que normalement, je dis bien, au démarrage de l'atelier, vous aurez de l'énergie. Vous aurez une construction d'énergie qui va se faire, normalement. Vous avez une petite réserve. Vous êtes censé avoir 10K d'énergie. Hein, Pépone? Parce que là, on n'a pas les 10K d'énergie. Non, franchement, pas trop. Bon, si vous n'avez pas d'énergie, c'est pas un problème. Ce qu'il vous faudra, c'est une éolienne. Bah, ça tombe bien, il y a une éolienne derrière qui coûtera pas cher non plus, qui est sur le terrain. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le terrain. Mais voilà, 3000 euros l'éolienne. Voilà, il lui faudra quoi? Il lui faudra de la maintenance. Voilà, la maintenance que vous aurez grâce au bâtiment d'atelier. Voilà, tout simplement. Du coup, là, je vais lui faire le plein comme ça, ce qui va produire de l'énergie. Derrière, on va produire automatiquement ce qu'il faut. Je vais lui mettre du gasoil aussi à elle, ça évitera au gars de venir switcher. Mais normalement, hop, si je mets ça ici, si je mets du diesel, voilà, si j'achète du diesel, paf, ça va démarrer la production. Oubliez les planches, oubliez le pain, oubliez le fromage, ceci va disparaître. Ici, on sera vraiment en diesel et charge électrique. Charge électrique, vous aurez une petite réserve au démarrage qui vous fabriquera de la maintenance qui servira tout simplement à faire tourner les éoliennes. Si vous n'avez pas assez de charge électrique, vous aurez une autre éolienne qui est disponible en dessous, qui est là-bas, là où Pépon est en train de Plus courir comme grosse. un sauvage, qui est beaucoup plus grosse que la précédente. Oui, mesdames, messieurs, et plus grosse que la précédente. Vous pourrez l'acheter et produire de l'éolien, mais il vous faudra toujours de la maintenance. Donc ça, les tableaux de prod seront faits en sorte que tout soit bien équilibré, que vous aurez assez de maintenance pour toutes les prods. Normalement, ça devrait bien marcher. Et en cas où ils peuvent en replacer, pareil, C'est les ça. magasins, pareil, ils peuvent en replacer encore en plus Les si magasins de vous n'avez pas. maintenance, si vous n'avez pas assez, bah vous le retrouverez dans le tableau de production. Si vous n'avez pas assez d'éoliennes, vous pourrez en replacer avec le tableau de production. Enfin, avec ce menu-là, quand je dis production, hein. On est d'accord? Avec C'est ce menu-là. passable production. Ouais. Là, c'est la production, usine. Mais vous ne courez pas avec les éoliennes de décoration, hein, les générateurs. C'est vraiment celle-ci. Voilà. C'est les modes de la Elles sont raison, FED. ouais, c'est ça. Là. Voilà. Ici, la ferme céréalière que vous connaissez, qu'on a un peu remodifiée, un peu beaucoup même, qui est même pas tout à fait finie d'ailleurs, si je me rappelle. Je vais essayer de m'envoler un tout petit peu, histoire de montrer. Non, je crois qu'on n'a pas fini parce qu'on savait pas où comment on avait placé les bâtiments, tout ça, ce qu'ils ont encore. Ici, vous ferez des semences. D'ailleurs, il faut que j'achète le terrain, comme ça on va vous montrer directement. On va pas perdre de temps. Hop, tac, oui. Ici, vous ferez des semences. Vous aurez la possibilité, tout simplement, si je vous monte dans l'usine. Éolienne, petite éolienne, ça on s'en fout. Et sont où les semences? Ah, on les a pas les semences. Le tableau de prod des semences, on les a pas. Il faut l'acheter le. Bah, il faut acheter l'usine. Mais tu l'achètes où? Tu l'achètes devant Ah, la porte. Elle est là. là. Merde. J'avais oublié. Ah, du coup, on peut peut-être avoir l'usine sans acheter le. Il faudra remettre les logos, Pépon. Parce que les gens ils vont être perdus. Du coup, ce qui nous permettra tout simplement avec les semences, du coup, vous allez ramener de l'herbicide, de l'énergie. Il faudra de l'énergie, de l'herbicide.
Ah oui, putain, j'y comprends rien. Du blé, de l'orge, de l'avoine. Ah, attends. Je suis en train de crever. Attends, je suis en train de regarder. Ah oui, vous ramenez du blé, de l'orge, de l'avoine, de l'engrais, de l'herbicide, de la charge électrique, du sec, du triticale, du maïs, du sorgho. Il vous faudra pas tout, bien sûr, pour produire. Mais il vous faudra une bonne partie pour produire des semences. Voilà, tout simplement. Et vous aurez des semences. Pas mal. Non, il faudra d'engrais. Plus d'herbicide, plus de la charge électrique. En culture, c'est soit blé, soit orge, soit avoine. Et ça donnera des semences. Les cultures, c'est une de chaque. Vous pouvez mettre une de chaque à chaque fois. D'accord. Et l'herbicide obligatoire aussi. T'es. Voilà. Comme en vrai. Comme en vrai. En vrai. Voilà. Comme en vrai. Du coup, ici, vous avez la production de lapins. Voilà. On l'a mis aux fermes céréalières. La petite production de lapins qui est pas dégueulasse, qui est mignonne. Où vous pourrez. Retravailler par rapport à la dernière fois. Vous aurez besoin des d'orge, de foin, de l'eau, de la paille, des carottes, des laitues. Voilà. J'ai fait le tour un peu tout à l'heure. Qui a été retravaillé, redesigné par Pépon et John aussi, qui a remis le nez dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ici, ici, ça nous ressort des nouvelles palettes. Du coup, ouais. On va leur donner à manger, ce sera pas mal. Ici. Ouais, les invalides, ah. La saisie, là. Alors, par contre, ne vous attaquez pas, la palette est longue à spawn, c'est normal. Parce que j'ai réduit les vitesses de production. Sur les vitesses d'origine, c'était trop... Trop ouf. Trop ouf quoi. C'était trop ouf. Au bout d'une heure, t'avais déjà une palette quoi. On va générer des articles stockés. À la part, en vrai, tu fais pas en une journée quoi. C'est merde, pas non, c'est pas là. Hop. Générer, c'est générer hein, pour produire les palettes, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, d'accord. Pourquoi pas de l'éthanol avec de la betterave? Parce que déjà, la carte est déjà bien complexe et si on commence à rajouter. Il y a plein de trucs qu'on a lâché. Il y a plein de trucs qu'on voulait vous rajouter qu'on a lâché. T'sais. C'est bien, mais tracteur il le consommera pas donc. Ouais, c'est ça le problème aussi. Ici vous aurez un silo, voilà, pour la ferme. Achetable avec le terrain. Achetable avec si le terrain. Pas de terrain. Si vous avez pas de terrain, tout ce qui est silo ici, vous les aurez pas. Bien sûr, dans chaque ferme vous retrouvez un silo à semences, un silo à engrais, liquide et herbicide. Moi j'arrive pas à faire popper du. Une citerne que vous pourrez remplir automatiquement. Elles seront vides hein, au démarrage. Ici c'est vide. Hein. Ok. Si vous voulez le remplir, il va falloir casquer pour remplir. Acheter. Mais vous aurez des stockages de gasoil. Derrière, vous aurez la possibilité. Hop, on va ouvrir la porte. D'avoir des silos bunkers. Du coup, on vous les a mis ici. Voilà. Silos les bunkers OBGA qui va pas être dégueulasse. Voilà, pour faire vos ensilages. On remonte un peu là-haut. On a le traitement d'eau. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mon petit Anto. Ici vous aurez un traitement d'eau. Et si ça va être ça, vous en avoir besoin absolument pour faire de l'eau potable. Donc le point d'achat il est ici. Il n'est pas encore dessiné. Ouais. Ici l'usine bien sûr du traitement d'eau. Je le retrouve. Il est pas là. Cher parce que quoi vous êtes obligé de les acheter. Ouais vous pour êtes. Vous en servir. Vous êtes ouais vous serez obligé de vous en acheter très rapidement en fait. Du coup on vous l'a réduit énormément le prix. Et franchement, c'est pas dégueulasse. Normalement, le coût à l'entretien, j'ai réduit. Faut qu'on teste aussi. Ouais, bah, on testera. De toute façon, j'achète tout et puis ouais. On teste. Comme j'ai dit à Schizo, au début, c'était combien? 2 millions. Ouais, 2 millions par jour. Ouais, c'était un peu cher. Ouais. 2 millions par jour. Il a passé une journée à payer 2 millions de frais. C'était horriblement cher. Donc, du coup, on a modifié. Du coup, il vous faudra du chlore que vous aurez avec le sel végétal qu'on va aller voir juste après. Il vous faudra des eaux usées qu'on ira juste après aussi en descendant aller chercher de l'eau usée au lac. Aux usines. Ou les aux usines qui vous produira avec de l'eau potable, qui vous produira des eaux usées. Vous aurez besoin d'énergie et de maintenance, ça va être le nerf de la guerre. Et ça vous sortira du compost, de l'eau, du compost et du lisier. Voilà. Le lisier que vous pourrez rebalancer directement au BGA qui est juste derrière. Pas de spécificité encore au BGA. On s'est pas tordu le cul. On a laissé un BGA d'origine. Même si j'ai encore une petite idée derrière, mais il faut qu'on voie si on a moyen de le faire ou pas. Non, tu peux pas m'offrir un grog en live. Désolé, sinon non, c'est vrai que je l'aurais bien pris. Non, tu peux pas. Ouais, désolé les gars, je suis enrhumé. Hein. Ouais, bon. Je vous le fais là, c'est pour vous. Hein. Si je suis là ce soir, je vous jure que c'est pour vous présenter la carte. Ouais. Sinon, je serais bien resté au fond de mon lit. Ici, vous avez l'usine de chlore. L'usine de chlore qui demandera pas cher, 10 000 euros. Voilà.
C'est pas cher. Tout ce qui a rapport avec le traitement de l'eau n'est pas cher, tout simplement pour que vous puissiez l'acheter rapidement au départ, pour pouvoir faire votre cycle de flotte d'eau potable. Parce que vous allez voir que si vous prenez l'eau potable dans les citernes ou vous les achetez dans les silos, ça va vous coûter tellement un bras que vous allez couler votre partie juste parce que t'as été trop radin de pas vouloir lancer les prods à côté, quoi. Voilà. Donc franchement, c'est dommage. C'est pas grave, ceux qui ont pas regardé la vidéo, ouais, on est dans le cul. On a fait exprès pour pouvoir... On va venir voir, justement, on est là pour faire des essais en tour. On va venir voir après. On a fait exprès pour pouvoir utiliser les usines qu'on a fabriquées. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que comme vous voyez, il faut de l'eau, la charge électrique et du sel pour faire du chlore. Mais tu vas me dire, ce qu'ils ont, on n'a pas d'eau potable. Ouais. Mais au départ, tu iras le chercher à la borne à incendie. Comme ça, tu comprendras que ça va te mettre un gros doigt dans le cul. Et du coup, maintenant, tu vas produire automatiquement, tu vas faire en sorte que derrière, tu produises rapidement de l'eau propre, tu vois, de l'eau potable. Parce que je vous jure que l'eau, je sais pas si tu as modifié les scripts, mais l'eau devrait coûter une blinde. Hein. Je vous cache pas, 10 euros le litre d'eau, voilà, hein, c'est le minimum. Sinon, c'est pas intéressant. Du coup, pour avoir de l'eau usée, bah, ça sera pas compliqué, il vous faudra juste ce petit module. Voilà, petit module au lac, qui vous coûtera 500$. Puis il a juste besoin de maintenance et il tourne tout seul. Vous arrivez, vous l'achetez une fois. Voilà, vous l'achetez une fois. On va lui acheter de la maintenance parce que je sais pas si la maintenance est partie de l'autre côté. Je lui achète un peu de maintenance. Il va produire automatiquement de l'UIZ et vous aurez le choix de soit la stocker, soit de la mettre directement en distribution. Alors je vous conseille vraiment de la mettre en distribution. D'ailleurs, on va essayer pendant nos parties test, on essayera un peu tout et on regardera comment c'est fonctionnel. Ouais, la différence. Ouais. Voir un peu toutes les prods, voir comment ça marche, si on trouve pas sur un bug à la con, quoi que ce soit. Bon, bah là, il y a le bug. J'arrive. Du coup, il y a un bug. Bichon. J'arrive. Enfin, si j'y arrive, j'arrive. Attends, je vais faire ça. Magasin. T'es où, Anto? 19 au rabot, voilà. Tu es au rabot, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, bouge pas. Hop, tiens, monte dans le tracteur, baisse le rabot. Non, mais ça, c'est à la souris d'origine. C'est à la souris, les rabots. T'es obligé. Attends, parce que du coup, moi j'ai la super force. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, t'es obligé de jouer avec la souris. Bah, je le baisse, moi, le rabot, y'a pas de bug, chef, regarde. Je le pivote, je le monte, je le baisse, je fais ce que je veux avec, moi. On avait dit quoi qu'il faut... Quand j'appuie sur la touche pour baisser, il faut que j'appuie sur la touche pour lever pour qu'il descende. Non mais V ça marche pas. C'est des rabots. Tous les rabots sont à la souris. Tu prends une nappe. Tu prends la nappe d'oscillage d'origine, elle fait pareil. J'ai essayé, hein. C'est une nappe d'origine. Hein. C'est une nappe d'oscillage d'origine. Hein. Ça fait pareil. Hein. Non, normalement tu viens après, mais là il n'y a pas encore de fumier, donc on aura le temps. On aura le temps d'y voir. C'est pour ça je te dis, hein, j'ai essayé des gens en SEO et ça faisait pareil. Et j'ai pris la lame de. Siège, bonsoir. J'appuie sur le bouton pour descendre, pour moi ça descend. Donc... Ouais, on n'a pas fait encore les corrections d'orthographe. Tu descends, tu verras, il va descendre, il va remonter. Là, si tu te mets dedans, tu fais baisser. Ah merde, okay. Ah. Mais en route, chef, sinon ça marchera beaucoup mieux. Tu fais baisser, t'appuies sur lever un coup. Et là il descend. Ouais, Cratch, il y a encore toutes les corrections, mais ça c'est Kali qui va s'en taper à la fin. Et toutes les. Comment te dire, tout l'équilibrage des prods, histoire que ça soit aux petits oignons et qu'on ait pas de surprise quand qu'il y en a pas un qui nous bip et de dire on n'a pas assez d'argent pour générer, enfin on n'a pas assez de maintenance pour générer l'électricité pour lancer ta prod d'eau, tu vois. Et quand on met les moulins, bah il y a plus assez de maintenance non plus pour le reste, c'est, tu vois, pour éviter tous ces bugs à la con. Du coup, c'est pour ça qu'on fait énormément d'essais, et c'est pour ça que je vais tourner un mois sans décor sur la carte, sans décor, histoire de vraiment voir comment ça fonctionne. Donc ça sera une carrière, pas forcément partir de zéro. Ça sera une partir de zéro sans cheat, si tu veux. Mais on va essayer de tout dégommer. On va essayer de faire un peu ce qu'on a fait avec la vallée des là, avec celle-là. Mais en faisant un peu tout et n'importe quoi pour essayer de voir justement là où ça va pêcher. Là, ça ne va pas pêcher. Il faut savoir que ça fait 4 mois qu'elle est en développement. Et qu'on a encore des problèmes avec les dernières mises à jour de... Les dernières mises à jour de farming qui viennent de sortir et qu'on a encore énormément de problèmes avec certains trucs. T'sais. Et que je suis le seul scripteur. Et il n'y a que Pépon en scripteur, donc comment te dire que le pauvre il est débordé. T'sais. Il est vraiment débordé. Donc du coup là il a réglé le plus gros des problèmes. On va la mettre en essai là en actuel. Et du coup on verra avec Pépon au fur et à mesure du temps comment ça fonctionne. Mais ça devrait pas être dégueulasse.
Ça devrait pas être dégueulasse du tout. Non, jette dès que je peux. Oui, c'est vrai qu'on a un beau coup de main quand même. On pourra le souligner. On a un beau coup de main d'L2C Modding. Dernièrement, ouais, qui vient nous bien filer un coup de main et qui a dit qu'il prendrait en charge la déco. Voilà. Il nous fera la petite déco sur la carte. C'est pas mal. Putain. C'est pour ça que si vous voyez des champs avec son nom, c'est normal. Parce qu'il a participé. C'est tout ça. Ah oui, c'est pareil. Je vous ai pas montré. Ouais. Vous voyez, ceux qui ont participé, ils ont des noms. Bah, il y a moi et Schizo déjà en priorité. Et après, tous ceux qui ont participé, ils ont un nom dans le champ de parcelle de chat. Des fois, vous allez voir à plusieurs endroits. C'est normal. Ça se s'est gêné automatiquement. T'arrives à la fin de la V2 là ? Putain, GG. Ouais, mais on est souvent ensemble. Hein. Il est à fond. Moi. Tu l'attaques quand ? La V2 ? Oh, bah là, j'ai un planning plein jusqu'à au moins. Ça sera pas avant début d'année, je pense. Normalement avec la crew farm, on va revenir un peu dessus, avec les sorties de jeu, le platinum et tout, je pense pas que je l'attaquerai avant la fin d'année. Moi ta sortie fin d'année elle était bien L2C. Du coup vous allez pouvoir enfin faire travailler le patron, vous avez vu, en récolte, sur le champ 7, en contrat, bah vous avez Schizofab, voilà. Et bah là vous avez Camélie Bourbon, mais qui est assez mignonne. Ouais, mais après, c'est pas ma femme, je vous retiens. Mais vous aurez du Dementia, vous aurez du Pépon, vous aurez du L2C Modding, vous aurez tout ça. Tous ceux qui ont participé à la carte, ça fera un petit clin d'œil. Et on a d'autres petits tips à rajouter sur la carte. Du coup, alors attends, ils en sont où? Parce que moi j'ai pas regardé. Les veaux, ils ont pas fait encore à bouffer. Bah alors, vous faites quoi les mecs là? Et ils donnent pas à manger les gars là? On n'est pas là pour ça. Hein. Bah si, faut donner à bouffer aux vaches et aux moutons et tout ça. On est pas assez payé pour ça. Ah bah ouais, je comprends bien. Qu'on est payé au moins. Ouais, 60 minutes de l'heure. Ah ouais, c'est pour ça. Je vais vous payer, moi, vous allez voir. Hop là. Alors attends, bouge pas, on va donner de la luzerne fraîche. Alors ici, absolument en priorité, ça sera pas de la RTM, ça sera de la luzerne. Voilà. Si vous donnez pas de la luzerne, ça marchera pas. Je vous le dis tout de suite. Ah merde. Point de trèfle, luzerne. Ah merde, c'est pas dans mon côté. Rempli, hop. Il vous faudra absolument de la luzerne à donner aux vaches. Moi je déconne, je suis en attente de 3D et avec Pépon on a du taf en script pour nos cartes. Ouais bah ouais, je me doute. Pas avant la fin d'année, hein, fais pas le con, L2C. Arrête-toi un peu, fais mon plateau entre temps. Non, elle a pas le temps, elle a la déco. Il y a la déco de la carte à faire. Essaye avec une âme d'origine, là, c'est une âme d'origine, tu verras, ça te fait pareil. Donc, si je vous montre juste un peu, là ici, vous voyez, vous avez de la luzerne fraîche pour les vaches, c'est bien marqué pour les vaches, et le lait pour les veaux, mais le lait pour les veaux, c'est de l'autre côté, hein, c'est là-bas. Je sais pas s'il y a une citerne, s'il y a Chris. Ouais, c'est la merde. Tiens Chris, viens voir. Bête chez eux, toi. Non mais je pas. Pour moi c'était un bug, ouais. Mais si. Y'a ici. C'est pas un bug, c'est pas un bug. Non, bah alors donne le camion, vas-y, ouais, je vais le prendre le camion comme bah, ça. En tout cas, le camion était là pour pousser l'ancien. Ah bah oui, ça c'est pour finir. C'était fait exprès là. Hop. Easy, vous vaudra du lait. Et pas du lait de chèvre, hein, vraiment du lait. On essayera dans la connerie, mais je pense pas que le lait de. Non. Les laits de chèvre marchera, mais. Et pareil dans les sauts, vous voyez qu'il va monter. Oh, ok, pas de problème. Salut Luc, salut. Ah ouais. C'est la crew farm. C'est stylé. Ouais, comment vrai. Et là vous avez vu dans les sauts, bon là c'est un peu brouillon, hein, c'est un peu en bordel les mecs parce qu'on vous présente. Mais... Là les sauts ça remplit de lait, voilà. Donc vous avez besoin que de ces deux là, de la luzerne fraîche. Et pour les veaux, du lait. Et normalement ça produit. Si je dis pas de conneries, on va avancer un tout petit peu le temps, on va regarder ça. Merde, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça va pas fonctionner. Faut que je mette de l'eau vache. Et normalement, ils sont censés prendre de la santé, de la puberté. L'eau a pas été donnée aux vaches. Bah, bon, ah oui, l'eau a pas été donnée aux vaches. Ouais, productivité. Bon, les veaux, c'est démarré. Vous voyez, ça fonctionne vraiment qu'avec le lait si vous voulez donner que du lait. Pas, on pas c'est comment alors on n'est pas tous en même temps, les gars, on va s'y perdre. Elle sortira normalement le 12 décembre. Je voudrais la sortir pour mon anniversaire. Hormis problème avec le platinum ou. Pour un énième détail de mise à jour qui aurait bugué, normalement elle est prévue pour le 12 décembre. Date butoir 12 décembre. Le lait pour les veaux, on le prend chez les vaches?
Le oui, prendre tu chez les peux vaches. prendre, tu peux prendre le lait Ok. des vaches pour donner au veau, sans problème. Et par contre, il y a un truc qu'il faut que L'eau, c'est là aussi, je comprenne parce que je comprends pas très bien. vas-y, dis. À l'étable des Non. taureaux et des vaches, ce qui donne 100% en nourriture, c'est le lait pour les veaux. Non, ça c'est pour les veaux. Non. C'est marqué, regarde, tu l'as dit quand tu l'as lu. Lait pour les veaux. Luzerne pour les vaches. Tu peux pas les différencier. Tu peux pas les différencier, c'est ça leur putain de mode à la con de Giant Donc, là? la luzerne fraîche et le lait pour les veaux donnent 100%. Non. La luzerne fraîche pour les vaches. Le lait, c'est pour les veaux. C'est marqué en gros. Lait pour les veaux. Luzerne Les deux fraîche pour les vaches. donnent 100%. Non! Ah. Je vais m'exprimer différemment. Vas-y, La dis. luzerne fraîche chez Oui. les vaches donne 100% et Oui. le lait pour Oui. les veaux chez les veaux donne 100%. Oui, c'est ce Oui. qu'on vient d'essayer. Ça y est, bon. Donc, les deux se donnent 100%. Oui, les deux Oui. donnent 100%. Mais il faut vraiment bien différencier. Il va falloir vous le mettre dans la tête, les gars. C'est que le lait, c'est pour les veaux. C'est pour ça qu'on a marqué ça comme ça. Lait pour les veaux et luzerne pour les vaches. Parce qu'on ne peut pas différencier le menu des animaux. Pas encore, du moins. Bergman n'ont pas fait non plus. Huffman n'ont pas réussi non plus, nous on n'a pas réussi, on n'est pas meilleur qu'eux, hein. On est Là, une on a petite équipe. discuté avec un gars, Jean, qui est de ma team. Il a discuté avec Farmer Andy, qui est le chef de chez Bergman. Ils sont en train de se prendre la tête avec vraiment géante. Avec Ce sont Giant eux pour qui arriver à le prennent. faire. Ouais. Parce qu'ils sont emmerdés avec compost tout ça comme nous. Avec un putain On de a les bâton. mêmes problèmes, Huffman et nous. La team à Andy et tout ça, on a les mêmes problèmes sur notre carte que l'ont sur le Huffman. Après, tu vas me dire, c'est normal parce que on a le gameplay qui est quasiment identique, sauf le compost qui Voilà. est nous, on a un petit truc, un petit tips en plus. Mais sinon, on est quasiment identique sur les façons de gameplay. Alors, c'est Stéphane, bon. donc c'est Oui. pour ça que dans Est-ce les. qu'on arriverait à enlever le pourlait, Il est pire que ma du grippe lait de Non, luzerne fraîche? il est pire que tu peux ma pas. grippe ce mec. Tu peux pas. Tu peux pas. On t'a dit il y a 2 secondes. Au Bergman, ils ont pas réussi. Je Si ne eux, peux ils pas. n'arrivent C'est pas. pour Non, ça mais que dans les menus, tu ne écoute, peux tu pas. m'écoutes? Si tu me laisses Chef. finir ma phrase, peut-être que ça, tu comprendras différemment. Dans l'orthographe, est-ce que tu peux enlever, tu laisses luzerne fraîche vache avec écrit 100% à côté et tu enlèves le pourlet histoire d'avoir la phrase en entière et pas des trois petits points. Les trois petits points, de toute façon, ils sont là, mais ils servent à rien parce que ça s'arrête à vache en fait. Il y a juste Bah pas le oui. 100%. Ah, et tu peux pas rajouter 100% donc. Non. Non, parce qu'il n'y a pas assez de place d'écriture, et merci Giant, quoi. C'est Ça, Giant. Et franchement, on c'est l'a pour ça. retourné dans 40 000 Non, solutions. mais c'est pour Je lui ai ça que je cassé les couilles disais. à Pépon, je sais pas combien de fois, pour dire, attends, on peut On pas a le faire regardé plus ensemble. lisible et Non, on a regardé machin. ensemble. On On a essayé a, ensemble. franchement, on a pas, on a dû ça, retourner ça tout un week-end complet, pour essayer de le faire le plus compréhensible possible. Juste C'est pour les pour ça. phrases simples. C'est pour ça que je disais de enlever le pour et le lait. Tu vois? Bah, les veaux et luzerne fraîche vache. Ça te donnera toujours pas le Ah. 100% au bout des vaches. Non. On a essayé. Ça marche Ok. pas. On a juste essayé luzerne fraîche vache. T'avais pas 100% derrière. Ok. Luzerne fraîche, lui tout seul est déjà trop grand. Si Parce que tu veux. si tu fais pas d'espace entre les deux, il crée Après, l'erreur. merde, le gars qui DL la carte, qui a les tutos et tout. En plus, on va rajouter des pancartes. Voilà, on va rajouter des petites pancartes. Là, tu vois, là, il y aura une pancarte ici. Bâtiment spécial vache et taureau, voilà. Île à ose, bâtiment spécial veau. Et en dessous, vous aurez marqué ce qu'il faut dedans. Voilà, on va rajouter des panneaux, histoire de bien Ah ouais, expliquer en face des Guido, écritures. attends. Là, tu veux faire style de la On va Coronella? retourner vite Un fait peu comme la Coronella. à la station d'eau. Ok. Vite fait. À la station d'eau? Ouais, Laquelle, station la grosse? d'épuration. La station d'épuration, ouais. J'arrive. Ouais, dis-moi. Tiens, viens par là. Les gars, j'ai fait un petit cadeau. Ah, bien vu, hein? Et il a mis la Ah minimap. Ah, c'est pas mal. Bien vu, bien vu. Il a mis la minimap. Ah, en plus, ça marque quand t'as acheté le terrain. Je vois le 4 qui est en bleu. Voir si c'est. Non, c'est pas interactif le Non, truc. non, non, c'est pas automatique. J'ai pris ça quand j'avais acheté le terrain 4 en fait. Non, ça marche Ah pas non, là. ça marche pas, ouais, j'étais en train de me dire, lol quoi. Non, faut juste que je corrige, que je mette 4 en blanc, mais Ça ça, pourrait, ça après, aurait c'est pu un être petit génial. détail quoi. Ça aurait pu être Mais de génial. toute façon, le PDA il va rechanger, donc l'image elle va rechanger, c'est pour ça que c'est une image provisoire. Alors là, vous avez de l'eau usée qui est arrivée, mais on n'a pas encore de charge électrique parce qu'on n'a pas de maintenance, parce que du coup, la production là-haut, elle doit pas tourner. L'eau usée, tu vois, faut que j'en change strict.
Maintenant, c'est. Maman, j'ai marqué au nom portable maintenant. Donc, c'est laquelle qui distribue pas là? Oh, stocker, on va se faire en. Hop, distribution. Compost, on peut faire distribution aussi parce qu'on va aller chercher de toute façon. Je vais vous montrer. Lizzie, on pourra le vendre direct. Ou sinon, vous pouvez le distribuer au BGA. C'est comme vous voulez. Là, on n'a pas acheté le BGA. Donc... La petite éolienne, elle produit de la charge électrique, mais elle a pas assez de maintenance. De toute façon, je pense que là, on va leur laisser cette map là pour tester. Hein, si ah, bah, de toute façon, on va tester. Oui, bah, de toute façon, je te dis, c'est. Moi, je fais call off et après, je pars dessus. Après, on la teste grandeur nature là-dessus. Après, de toute façon, moi, j'ai accès au serveur et je redis si je remodifie la map en elle-même. Donc, à chaque bug qu'on arrive à trouver, tu arriveras à remodifier entre deux. Ouais, parce que lui, il sera sur le script. Lui, il sera en version script. Nous, on va pas toucher la 3D. La 3D, c'est L2C Modding qui va nous faire la déco. Donc, c'est lui qui va s'en occuper. Et nous, si on a un problème de rendement usine et tout ça, ce sera du script. Donc, nous, on va garder la même version sur la totale des essais. Et ce qu'il va faire, lui, c'est juste modifier les scripts. Et au pire, il va nous renvoyer juste un fichier à rajouter dans la carte. Histoire de dire, tiens, replacez ça à tel endroit. Redl cette carte-là, gardez la même save, ça fonctionnera. Histoire de dire qu'on ait un rééquilibrage, si c'est faisable. Sinon, on gardera toujours la même version de carte pendant tous les essais et on découpera tout. Voilà. Et la prochaine version officielle, c'est la série que je ferai sur YouTube en mode partir de zéro réellement avec le décor, la carte finie, entièrement finie, où tout le monde l'aura disponible une semaine avant le 12, quoi. Donc début décembre, normalement, je démarre ma carrière officiellement dessus. J'ai encore espion à faire. Il y a encore beaucoup de choses, hein. Encore en version bêta. Enfin là on est même plus proche de l'alpha, c'est l'alpha 1.168, c'est ça? Si je me rappelle bien. 72 je crois, on sait quoi là. 72. Vous rendez compte qu'on a fait 72 versions de la carte. Ah c'est le biogaz, bah du coup je l'ai acheté, histoire de voir. Le gaz comme d'habitude, voilà, stocké, ici vous mettrez vente, voilà, comme ça je l'ai mis. J'ai arrêté de compter aussi. Vous aurez une station de chaud, vous pourrez ramener les pierres, mais il vous faudra un peu d'eau. Qui est dans la colline. Il vous faudra. Hop, elle est pas chère aussi celle-là. Parce que vous allez ramasser pas mal de pierres sur certains champs et tout ça. Du coup, il vous faudra du diesel, de l'énergie, de la maintenance, de l'eau. Et des pierres qui vous donnera bien sûr de la chaux et des eaux usées. C'est bien parce que vous allez mettre 500 litres de flotte et ça va vous redonner 1000 litres d'eau usée. Après ça c'est pas des chiffres encore prédéfinis. Non, ça a le temps de rebouger. On voit avec Kali qu'on calcule toutes les usines, comment c'est rentable quoi. Les calculs sont pas bons Kevin. Ah d'accord. Non, bah, en fait c'est des scripts qui ont été créés. Donc les calculs, en fait Kali m'a dit j'ai fait moi et on remettra ça ensemble pour que ce soit propre. Bah, je mute quand je mouche, t'as vu, ça évite d'entendre l'huître qui tombe dans le mouchoir. Ouais. Parce qu'il m'a dit c'est pas plus simple encore, que toi tu scriptes et qu'on remodifie juste les lignes pour recalibrer. Il m'a dit c'est plus simple de faire ça que faire dans l'autre sens, qu'il calcule et après qu'on le fasse scripter. Il m'a dit c'est plus simple que tu scriptes. Il se démerde. Après, je remodifie. Ouais, je veux juste que ça soit fonctionnel, il se démerde après. Vous démerdez, c'est pas mon problème, je suis plus là. Moi je suis au fond de mon lit avec 42 fièvres, je suis bien. Kali, il voulait que ça fonctionne, les scripts fonctionnent. Après, il a dit qu'il recalculerait lui automatiquement. Ouais, il veut que tout soit fonctionnel. Une fois que tout sera fonctionnel niveau script, et ben derrière, lui il recalculera, tableaux, il fera le tableau, il fera son Excel là. Et il s'amusera à faire tout ça au calme. Du coup, là, vous voyez, j'ai un peu de fumier là. Et il a déplacé le perpépon, merci d'ailleurs. De quoi j'ai déplacé quoi? Tu l'as déplacé du coup le fumier, tu l'as mis un peu plus à droite, tu l'as mis devant les portes. Ah ah, t'as vu là? Hein ouais, c'est GG. Je ne dis rien, mais t'as vu, je travaille quand même pendant ça. Ouais, d'accord. Du coup. Ah. Gascu, c'est qui tu as? T'inquiète, fais rien. C'est John. C'est John. C'est John. C'est John qui nous fait la même frayeur que la semaine dernière. C'est pas grave. Du coup, vous poussez, madame. Vous poussez, madame. Tu tires. Hop là. Et tu pousses jusqu'au fond. Voilà. Et c'est impeccable. Donc vous allez en laisser un peu. Hein. Je vous le dis direct, vous allez en laisser un peu par terre. D'ailleurs, je sais pas si t'as remonté le sol. T'as remonté un peu le sol du bâtiment. Ah ah, bah à ton avis.
Je sais pas. Sinon, ton fumier, il serait pas là. Il serait pas là? Ok. Bah, regarde, là où t'es, c'est le sol d'origine. Ouais, je sais, ouais. T'as vu à qui est ton sol de bâtiment? Il est aligné. Attends, j'essaye de pousser dans la fumière. Ouais, si, c'est bon, ça marche. Bah, elle a l'air propre, cette lame, là. Gars, là, ça aligne partout. Hop là, regarde, ça ramène là. Tac. Putain, je suis content. Si vous saviez comment on a galéré pour ça. Cette étable, on l'a démontée 10 000 fois pour que ça fonctionne. On est resté des mois complets là-dessus. T'sais. On s'est bien fait chier. Je vous jure, on s'est bien fait chier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les poulets là-haut. Parce que les poulets... Ah, il a peut-être pas mis de ballot de paille et tout. On a avancé le temps, mais... Du coup, la version curable... C'est... Vas-y, saute au poulet là-haut, mets lui des ballots. On va avancer. Les poulets, les poules et les cantons, tout est fait. Il y a de la paille et tout partout. J'ai tout rempli. Ah, attends, faut que je corrige. Dans le sens. Eh, Pépon, t'as un retour son, je sais pas ce que c'est. T'as un stream? Moi, je suis en stream, ouais. Hop, je sais pas, j'avais un retour son bizarre, j'ai pas compris. C'est pas grave. On aurait dit JT. Bah ouais, on aurait dit la télé ou je sais pas. Ah, t'as mon fils ça. T'es juste qu'à côté avec un jeu. Ah d'accord, ok. Du coup, vous avez l'usine de compost qui est là. Pour l'instant, qui est là. Qui peut-être restera là. Ou si on a réussi à faire la ménard avant la sortie de la carte, disparaîtra. Le seul moyen de faire du compost, ça sera de passer par le fumier. Voilà. Ça, vous serez obligé d'utiliser la ménard pour faire du compost. Je suis un enculé. Oui, je vous l'accorde. On veut vraiment que vous utilisez la ménard. Du coup, la seule option qu'on a pour vous faire utiliser la ménard, c'est d'enlever l'usine de prod de compost. Et de vous faire automatiquement prendre la ménard pour faire le compost avec la ménard. Pour pouvoir le mettre au cerf. Je vous rappelle que la prod, elle est obligatoire en compost pour les cerfs. Voilà. Même si vous arriverez à en fabriquer avec les eaux usées, normalement, un tout petit peu. Ah, tu vois, le fumier, faut en théorie, c'est censé être moins cher, la ménard, que l'usine de prod. Ça va peut-être pas être trop cher. Bon, la ménard, elle sera pas forcément cher. Hein. Normalement, c'est dans l'autre sens. Elle est pas finie de scripter, ouais, on attend le retour de la marque pour la 3D. Elle est censée être en long. Ouais. Ah, mais c'est pas toi que j'entends. Tu sais qui c'est que j'entends? Tu les débutes quand? Qui? Non, j'en sais rien. Non, c'est Jean. C'est Jean que j'entends. Non, c'est pas. C'est John. C'est John, ouais. C'est John. Attends. Ah oui, c'est John. Et viens en vocal, John. Ah oui. Ah non, c'est qui avec N2C, je surveille. Le sauvage. C'est lui que j'entendais dans le jeu en fait. J'étais en train de me demander c'est qui que j'entendais. Chat de proximité, mon gars. T'es. Non, normalement c'est dans l'autre sens. C'est parce que j'ai pas encore. Bon, les cochons ils sont là, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Bien sûr, curable. Vous allez voir, c'est. On peut plus le muter. Si, t'arrives, tu vas dans le jeu et tu le mutes. Ah non. La ménard, c'est la SP50. C'est le serveur signalé. Non, en bas, en dessous. Tout en bas. Il est dans mon vocal. Ah d'accord, ok. Oui. Ouais, c'est l'aréateur. Merde. C'est l'aréateur de fumier. Vous rappelez pas de la ménard, je vous l'avais montré. Coupe son, t'inquiète. Je vous l'avais montré, la petite ménard, en vidéo, là. Vous étiez des millions à demander c'était quoi cette machine. Parce que c'est vrai qu'elle est pas beaucoup connue et on l'a pas dans le jeu. Du coup, on sera les premiers à le mettre. Et en plus, on le met en collaboration avec une marque. Donc, on la met dans Farming avec la collaboration de la marque. Donc, ça sera génial, quoi. Fumier 724 litres, on va attendre que ça produise un peu plus. Ouh. Oui, je sais, on a parlé de Chris, justement, faut que je le mette dans le sens. Chef, t'es trompé latéral, horizontal, chef. Tu fais des scripts dans tous les sens, ça force. Ouais, bah ouais. Après, ça marche. C'est déjà ça. Après, ça, c'est juste deux points à déplacer. Le principal, c'est que ça marche. Bon, ça va être fonctionnel. Vous viendrez ici le curé, du coup. On va reprendre, du coup... Attention, Chris, ça va monter. Je m'envole. Au revoir, Chris. Je vais toucher le plafond, chef. Baisse la tête. La tête va être dure à passer. Coucou. Bye, merci. Ah, ça passe tranquille. Et je touche même pas les cheveux touchent même pas le plafond. La ménard, on peut pas vous montrer d'image en fait, parce que vu qu'on travaille en étroite collaboration avec la marque,
La 3D est encore, encore on va dire, privée. Parce qu'on fait une 3D complète pour la machine. Donc, du coup, on peut pas, vous montrer. Donc on n'a pas les autorisations. Quand on n'a pas les autorisations. Ah, mais tu peux peut-être montrer une vidéo IRL. Après, une vidéo IRL, il y a le vlog, les enfants. Hein. Bah oui. Vous avez le vlog, hein, vous tapez schizophobe Ménard SP50, et vous allez voir que vous allez le trouver. Je sais pas si le rabot sera plus pratique, il faudra peut-être que je refasse le sol ici. Putain, et le cet arbre de merde là, il me fait chier. C'est en taux. Ah, il est passé en dessous de la carte. Non, si, il est passé en dessous de la carte. De quoi? Le fumier. Ah non, il est là. Ah, je suis en train de crever. Moi. Non, je regardais si c'était curable jusqu'au bout. Je crois que le godet sera plus pratique là. Mais le godet peut être plus pratique ou la fumière l'a déplacé. Juste mettre la fumière à la sortie en fait. Mais là, t'as 428. Mais là, c'est bon. 428, j'avais 724. Ah bah oui, j'ai avancé le temps, merde. Du coup, il y a 860. Je suis à 869 moi. Ah, je suis en train de crever. Mais après, le godet, oui, sera peut-être plus. Ici, quoi. Mais le godet sera peut-être plus simple. J'ai mis la fumière là pour, stocker quoi. En attendant que vous avez quoi dépendre de. Mais c'était pas prévu sur le papier que je prenne le Landini pour curer, hein, je vous le dis tout de suite. Donc le fumier à remettre dans le bon sens. Et bah le truc à. Bah ça va être. Deux secondes les enfants. Ah putain, il va être compliqué ce live. Il va être très compliqué, hein. Bon, j'ai une crève, j'ai 40 degrés, hein, on est d'accord. On est bien avec la crève, hein. C'est pas mal. Il faut être opérationnel demain en plus, hein. Donc là après, si vous voulez ramasser au godet, vous pourrez ramasser au godet, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire avec la lame, hein. Par contre, petit tips, est-ce qu'on a une remorque qui traîne dans le coin? Je sais pas si elle prend la fumée. L'autochargeuse, elle prend pas le fumier, hein. Bah non, faut la classe. Ouais, faut la classe, ouais. Ouais. Bah, je regarde quand même parce que je suis têtu, mais non. T'es où? La ferme principale? Ouais, ferme principale, je voulais leur montrer le convoyeur. Convoyeur qui a été entièrement refait par Dementia. Redesigné et tout. Ah, merde. Désolé, Taz. Attends, bouge pas. Hop. C'est con, hein. Hop là, je suppose que c'était la bonne vidéo, hein. Je clique aussi, je te remets le même lien, bon, je vais regarder, mais... Voilà. Alors pour vous le remettre, hop, c'était ça. C'était ça, la SP50, en fait. Je vais essayer de vous la montrer, hop. Il y a le vlog, on vient de vous mettre le lien. On vient de mettre le lien dans la description, enfin dans le chat. Et le lien sera dans la description YouTube si vous voulez aller retourner voir. Mais du coup, vous allez vous allez voir à quoi ça sert. Et c'est ça qu'on a refait en fait en 3D. Hop là. C'est ça qu'on a refait en 3D en fait sur farming. Et ça sera le seul moyen d'avoir du compost sur la carte. Ça sera tout simplement d'utiliser cette machine là. Donc c'est un retourneur d'andin. Donc c'est une SP50. Il y a plein de modèles, hein, chez Ménard qui sont d'ailleurs qui sont pas spécialisés qu'en agriculture. Ils font beaucoup de traitements en recyclage déchets. Et du coup voilà, ça vous fait du compost à la fin. Enfin c'est toujours du fumier, on est d'accord. Juste que nous on l'a classifié en compost pour avoir un gameplay dessus quoi. Mais c'est toujours du fumier, c'est juste du fumier qui permet d'être retraité, qui monte plus haut en température, qui tue mieux les germes qui sont les graines et tout ça qui sont dedans. Voilà, et puis au pire si vous voulez plus d'informations sur cette machine là, n'hésitez pas à aller voir le... Bah, le petit vlog qui est disponible sur la chaîne. Ah. Voilà. Ménard SP50. Merci pour le lien Taz du coup. Et désolé que ça soit pas passé. Et merci pour le follow les gars. Merci, merci. Du coup vous avez un ensilage qui arrive demain. D'ailleurs ça me fait penser. Ah, elle est où ma classe? Vous avez un ensilage. Vous avez un ensilage qui arrive demain en vlog. Demain midi normalement. Si je l'ai bien configuré, il faudra que je vérifie ce soir avant d'aller me coucher. Mais voilà, vous aurez de disponible. Ça sera pas dégueulasse.
Et il se promène de père John, je sais pas qu'il s'y fait, mais... il se promène gentiment sur la carte. Il se balade, découvre. Du coup, 4 mois de boulot sur la carte, beaucoup de sueur, beaucoup de problèmes on a eu. Beaucoup de résolutions de problèmes qui ont été, qui ont donné beaucoup de joie à la fin. Autrement dit, le curage a été une vraie galère. Le gameplay exclusif a été une vraie galère aussi. La Ménard est pas finie, donc on peut pas dire si ça sera encore une galère, mais pour l'instant, ça en est une belle. Et tout ça gratuitement, contrairement à ce qu'on dit. Il y aura pas d'histoire de si t'es sub, t'as la carte, ou si tu donnes de l'argent, t'as de la carte, ou quoi que ce soit. Non. Il n'y aura pas de, il y aura pas de tout ça. Voilà, je vous le dis clairement, parce qu'il y a des bruits de couloirs qui courent. Comme quoi qu'il faudrait être sub de la chaîne pour avoir la carte. C'est faux, elle est entièrement gratuite et disponible. Le seul truc, c'est qu'on la mettra pas sur le mode hub. Voilà. Les poteaux chez nous sont en collision. Voilà, je vous tiens à vous l'informer et à vous le montrer. Comme ça, vous êtes au courant, vous ferez gaffe. La déco sera finie. Ouais, on a élargi pas mal aussi pour être moins chiant. Et de toute façon, il y aura plein de gameplay qui vont tomber bientôt. On aura le temps de vous la présenter entièrement. Franchement, ça sera assez sympatoche. Ici, vous aurez du fumier aussi à récupérer avec le même gameplay qu'Off Barman avec la brouette. Voilà. Ah. Vous viendrez. Bah, tiens, fais-le, petit Pépon, le temps que je boive un coup. Oh, la lumière elle s'est éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est un troll. Merci pour les lumières. Les œufs sont en train de spawn. Les œufs sont en train de spawn. Ouais. Ah oui, les œufs, vous les retrouverez ici. On va essayer de vous faire des petits panneaux d'explicatifs avec des logos et tout ça, histoire de dire que vous soyez pas perdus, que ça soit pour les... Voilà, il y aura des petits tips qui arrivera à la fin, des petits panneaux, peut-être une image après sortie, des plus grosses critiques qui sortiront, qu'on corrigera. Même si normalement, vu le nombre d'heures qu'elle a été déjà testée, le nombre d'heures où elle a été travaillée, normalement on devrait pas être emmerdé énormément avec la carte. Normalement ça devrait sortir fonctionnel. Vas-y mon petit Pépon, va curer. Hop là. Voilà, vous mettrez votre fumier ici. Impeccable. Curage à la brouette comme Off Barman. Voilà. Vous avez le même, même bug qu'Off Barman, le mec qui disparaît sur la brouette. Ouais, ça c'est... Du coup, il faudra faire des andins. Oui, au fumier, en fait, ce que tu feras, c'est que tu te diras un champ ou un endroit où tu poseras en andin, tout simplement, ton fumier avec la remorque. Et la Ménard viendra et te le retournera et te le remettra en andin derrière, en compost. Et tu le ramasseras avec le godet, un peu comme dans la vraie vie, quoi. Voilà, c'est pour avoir un gameplay qui colle à la réalité, tout simplement. Ce qui n'est pas dégueulasse. Ça, ouais, GM, c'est Barkman. Ça, c'est pas moi, ça. C'est une opinion sortie. Ouais, la brouette elle est d'Off Barman, elle est pas de chez nous. On a juste copié pour le rajouter sur le gameplay ici. Donc dans cette ferme, toujours la citerne tout simplement de diesel que vous aurez disponible là, que vous pourrez remplir. On avait pensé vous mettre une cuve à méthane, mais on a vite zappé. Hein, parce qu'avec le pump, du coup le méthane ça devient compliqué. Ici vous aurez les semences. Voilà, je pense qu'il y a un silo qui va virer, mais ici vous aurez les semences. L'engrais et l'herbicide qui sera là. Voilà. On va peut-être vous faire, je crois qu'ici vous avez semences, chaud et engrais, voilà, vous aurez les trois, engrais, chaud et tout ça, ce sera pas dégueulasse. C'est tout ce qui est liquide derrière. Et de l'autre côté, ça sera tout ce qui est liquide, engrais liquide, herbicide. C'est des tanks à remplir les enfants, hein. Donc il faudra payer au démarrage, faites gaffe à combien vous prenez parce que ça a vite fait de vous mettre payer, dans la vous pouvez ramener les cubis, il y a deux cubis qui sont là, on a testé, on devrait tester là. Ouais, vous aurez deux cubis qui seront là, vous pourrez carrément les vider dedans si vous voulez. C'est pareil, vous allez démarrer la carte avec pas mal de semences au démarrage. Voilà, des semences et tout ça, il y a de la paille aussi pour en bas. Tout ce qui est là, mais en bas vous avez aussi de quoi nourrir vos animaux si vous voulez aller voir. Là vous avez le corps de ferme. Hop, je vais descendre un peu plus bas. Là-bas, vous voyez sous l'étable, vous avez des balles, vous avez des compléments minéraux, vous avez tout ça. Donc ce sera pas obligatoire de faire de la RTM pour vos vaches et tout ça. J'ai du mal à parler, hein. Je suis désolé les enfants, mais je vais pas durer 20 ans. Après la RTM est à 80%, mais pas à 100% comme d'origine. Si vous faites de la RTM, vous serez qu'à 80%, voilà. Le foin à 30%, le lait pour les veaux, je le rappelle, la luzerne fraîche pour les vaches. Si vous faites de la luzerne fraîche, ça sera la luzerne fraîche qui sera priorisée et qui vous mettra 100%.
Alors dans le gameplay réel, il vous faudrait de la RTM et de la luzerne. La RTM, on l'a pas modifiée. La RTM, c'est toujours celle de base. Donc c'est c'est voilà, toujours celle que vous connaissez. On n'a pas voulu complexifier comme comme celle d'L2C. Faut lui se faire chier là-dessus. Mais bon, la carte est pas encore sortie, on sait jamais. Ouais, non, mais l'autre, laisse tomber pour faire la RTM. J'ai pas envie de mourir. Non, ouais, vous aurez le tanker allé qui est ici. Il faut qu'on rajoute un petit. Hop, on va ouvrir la porte. Un petit. Bah, tu as le logo. Ah, bah non, il est là le logo, ouais. Vous aurez un logo, du coup, vous aurez les deux tankers allés qui sera là. La salle de traite qui est dirigée par des heures. Laisse-moi passer, toi, ça, ça. La salle de traite qui est dirigée par des heures, vous voyez. Là, il n'y a pas de vaches. Et dans une heure, vous aurez des vaches. Voilà. On vous l'a mis en gameplay réel. Parce que les vaches sont pas toujours en train de se faire traire. Voilà. Elles sont traire à certaines heures. Deux fois par jour. Avec le son. Avec le son. Et avec le son, bien sûr. Donc ça va arriver. Bougez pas. Voilà. Les vaches sont là. Elles repartiront après à 9h, si je me rappelle bien, ou 8h30. Ça va être 8h30, je crois. C'est 8h, je crois. Même. Été comme hiver. Ici, vous avez un réservoir d'eau que vous pourrez remplir automatiquement, mais le prix n'est pas encore bon. Il va falloir modifier les prix. Ouais. Le prix n'est pas encore bon, donc vous pourrez acheter votre flotte, ce qui vous coûtera normalement, si vous achetez 50 000 litres d'eau, ça devrait avoir un rapport à 550 000 euros. Voilà. Je le donne la tranche à Pépon, il m'écoute bien. Hein. 50 000 litres, 500 000, 50 euros. Ok, chef? Ouais, tu me le rediras parce que d'ici là, moi j'aurais oublié. Ouais, t'as oublié. Je suis un peu comme toi. Mais ici, vous aurez la possibilité de ramener votre eau potable et de la livrer directement ici. Voilà, de la ramener ici en stockage, histoire d'avoir de l'eau à côté des bâtiments pour éviter de faire des allers-retours au traitement d'eau à chaque fois ou de remplir des citernes, des quantités phénoménales. Vous aurez un stockage ici de flotte. Ici, c'est vraiment un stockage de flotte. Vous avez possibilité d'acheter, bien sûr, de l'eau, mais il vous coûtera une fortune. Hein. Je vous le dis direct, ça coûtera vraiment une fortune. En haut, vous avez les moutons. Les moutons n'ont pas été modifiés. Les moutons, c'est juste le bâtiment qu'on a remodifié. Au milieu, vous pourrez mettre des petits ballots de paille. Sinon, vous viendrez pailler de ce côté-là. Vous aurez l'herbe qui viendra monter ici. Vous aurez moutons. D'ailleurs, je vais vous montrer le tableau des animaux. Ça sera plus simple. Hop. Non, on n'arrive pas à leur rajouter de la luzerne aux moutons. Si, tu peux. Je sais pas si on peut. J'ai pas regardé. Si, tu peux, mais c'est pas dans le détail parce que comme le détail, j'ai pas, ça va chercher. Donc normalement, vous venez ici, vous ouvrirez le panel agneaux, brebis, béliers, chevreaux, chèvres, boucs, voilà, qui vous produiront du lait et des palettes de laine, qui vous permettront tout simplement d'avoir une petite usine de production sur le côté, qui vous permettra de faire du beurre et du fromage. Voilà, si je vous montre. Du beurre, voilà, le lait de brebis, mon lait de brebis, fromage et fromage de chèvre, voilà, lait de chèvre et lait normal, hein. Vous avez le lait des vaches aussi qui pourront venir ici, et le lait de chèvre qui vous faut. Du coup, le lait de chèvre, il fait exclusivement du fromage de chèvre, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Ok, donc le fromage pour les vaches et le fromage de chèvre exclusivement pour le lait de chèvre, voilà. Après, si le lait de vache, il y a une deuxième usine qui transforme en brique de lait. Voilà, vous aurez la laitière, normalement, qui est au milieu. Vous pourrez ramener votre surplus de lait de production, qui devrait être là, si je m'en... Ça, c'est le point de vente. Je me suis gouré, je suis sûr. Fais voir si j'achète. Hop. Non, c'est ça. Ici, vous ramènerez tout le lait. Voilà, le lait qui se transformera en lait UHT, donc lait conditionné en palette. Voilà, tout simplement. Ce qui permettra, si je fais ça, hop... de produire, de générer des palettes. Mais les palettes, je vous les montrerai plus tard, ce sera la petite surprise quand on sera sur les essais. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît, les gars? Salut, Bad. Et un peu comme moi, le Bad. Et Bad. Oh, je suis mort. C'est la mort, les enfants, c'est la mort. Du coup, voilà les nouveautés, voilà où on en est. Salut SamGamer. Voilà les grosses nouveautés. J'espère que ça vous plaira. Pressé d'attaquer une petite carrière là-dessus. Les vergers, pas encore, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pépon, je sais pas si tu continues. Tu continues les essais, tu? Oh, je pense un petit peu, ouais. Après l'énergie, je sais pas. On va peut-être. Faut qu'on voit, parce qu'il y a pas mal d'usines qui consomment d'énergie. Et après, ça va. Ouais, faut qu'on voie l'équilibrage. Ouais, l'équilibrage.
GG pour la map, vivement de jouer dessus. Ouais, bah pas de problème. On va jeudi pour le 12 décembre. J'essaye de la sortir pour le 12. Attendez, bougez pas, j'arrive. Ah, tu vois, c'est mieux fumier ici. T'as ce live aura été compliqué, donc du coup, je vais pas durer plus longtemps. Je vais vous raid chez Pépon. Pépon va continuer sans moi. Parce que de toute façon, c'est lui qui a tous les tips de la description. Ouais, on va faire les lapins, je pense. Vous allez faire les lapins, vous allez faire les usines de prod et tout ça. Ça va être sympatoche. Ouais. Je vais vous laisser là, je vais vous dire bonne soirée, des bisous à tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Désolé, hein, je coupe court, mais là j'en peux vraiment plus. Ma journée était vraiment chiante. J'en peux plus. On se dit à la prochaine, Esquizo. On se retrouve demain pour la fin de l'Aïla. Parce qu'on a bientôt fini de dégommer la carte et je vous explique tout demain. Allez, des bisous, plus plus. On se retrouve chez Pépon. Allez, on suit. Des bisous. Ciao. Levanta la mano, mi gente, oh, levanta la mano, y el pueblo, el mundo, levanta la mano, mi gente, oh. Yeah, mami, yo soy Big J, The Prince, dímelo feo.